Chers élèves, salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اليوم سنحاول إجابة على سؤال يتكرر عند التلاميذ في اللغة الفرنسية ويشكل عائقا مهما. كيف يمكن التمييز بين المؤنث والمذكر في اللغة الفرنسية، خاصة عند التلاميذ الغير الفرنسيين؟ فعندنا مثلا الشجرة كلمة مؤنثة، في حين معناها في الفرنسية أربغ مذكرة. لاحظوا معي هذه الكلمات: مونتاني، لون، لسون، شاز، كلمة مؤنثة فيمينا، في حين أن مرادفتها في العربية هي مذكرة. وبالعكس كارتابل، بالون، سولاي، تيمو ماسكولا مذكرة في الفرنسية ومرادفتها مؤنثة في العربية. إذن كيف نحل هذه المشكلة وهل هناك قاعدة لذلك؟ فتعالوا معي نبدأ. بسم الله. Donc commençons d'abord par les catégories de mots qui sont toujours masculins. هي يعني تصنيفات من الأشياء اللي دائما مذكرة. Les jours de la semaine. الأيام. On dit le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, un dimanche. Les mois. شهور. On dit un janvier, un février, le mars, un avril, le mai, le juin, le juillet, un août, le septembre, un octobre, le novembre, décembre, sont toutes des catégories en masculin. Ensuite, nous avons les saisons de l'année. Hey, fosul sana. On dit l'automne, un hiver, un printemps, un été. أولا يجب الإشارة إلى أنه إذا سألتك quel est le féminin du mot petit ستقول petite. Pour grand ستقول grande. لكن هذه القاعدة ليست دائمة، فليست جميع الكلمات التي تنتهي بـ e هي كلمة مؤنثة féminin. ولنبدأ بالكلمات التي هي دائما ماسكولان مذكر، لي نون اكسكلوزيفمون ماسكولان. لي نون كي سو تيرمين بار ازم اي ازم، كوم لو جورناليزم، لو راسيزم، ان فانتازم. بي لي نون كي سو تيرمين اون ام او ان تي مون. اكزامبل un soulagement, un entraînement, un encouragement. Puis les noms ont âge, le lavage, partage, courage. Les mots acceptés de cette règle sont la plage, une page, une cage, la nage, la rage, une image. Ensuite, les noms qui se terminent en P-H-O-N-E, phone, comme un téléphone, un magnétophone, un mégaphone. Ensuite, des noms qui se terminent par A-T, comme un combat, un débat, un appât, un dégât. Les noms en scope, comme un microscope, un stéthoscope. Ensuite, les noms qui se terminent par teur, T-E-U-R, comme un ordinateur, un moteur, un porteur. Exception faite du mot la senteur. Ensuite, les noms qui se terminent par al, A-L, comme le festival,
un canal, un journal. Ensuite, les noms qui se terminent par E, A, U, ou bien A, U, ou bien A, U, D, ou bien O, ou O, T. O, comme bateau, chapeau, crapaud, piano, mot. Il y a deux exceptions, la peau et la moto. Ensuite, nous avons les noms qui se terminent par ARD ou ART ou ARE ou AR. Prenons l'exemple du mot le brouillard, un placard, un phare, un hangar. Il y a deux exceptions, la gare et puis la mare. Passons maintenant aux noms qui sont exclusivement féminins. Il y a des noms en TE accent. T, comme la beauté, la vanité, l'honnêteté. Mais il faudrait faire attention à quelques mots ici qui se terminent avec TE accent E, comme la dictée, la jetée, la montée, la pâtée, la portée. Des noms qui se terminent en ion, I-O-N, comme une profession, une répétition, l'opinion. Ensuite, des noms qui se terminent en eur, E-U-R. Kalimat, tantahi, B-E-U-R. Des mots relatifs à la sensation ou bien un concept ou une chose et non pas d'une personne. بمعنى أن كلمات تتعلق بالأحاسيس أو بالمفهوم أو بشيء ولكنها ليس لها علاقة بالإنسان. مثلا la couleur, la valeur, la lenteur. Nous avons des exceptions comme le malheur, le bonheur, l'honneur. Maintenant, les noms qui se terminent en oi, O-I, ou bien O-I-E, ou bien O-I-X, comme la loi, la foi, la joie, une proie, la voix, une noix. Il y a une seule exception, c'est le mot roi. Ensuite, les noms qui se terminent en S ou bien AS. Il faudrait signaler ici que le suffixe AS est toujours péjoratif. بمعنى أن حينما تنتهي الكلمة بAS فيكون معناها سلبي. إذن الكلمة التي تنتهي بS politesse, vitesse, justesse. ما التي تنتهي بAS وستلاحظون بأنها سلبية. Une paillasse. الكلمات التي تنتهي ب E de TE, et ou bien O de TE, haute. Exemple, une courgette, une cigarette, une mallette, une haute, une menotte. Passons maintenant au nom qui se termine en L. Exemple, une poubelle, une ruelle, une truelle. Ensuite, les noms en once et anse, comme une indulgence, une urgence, une tolérance, une souffrance. Le mot excepté, c'est le silence. Ensuite, les noms qui se terminent en aise ou « is », comme une fraise, une braise, une bise, la crise. Et finalement, les noms qui se terminent en « ad » ou en « ud », une promenade, une pommade, une attitude, une exactitude.
Voilà, j'espère que ce cours vous a été utile. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. اتركوا لي اقتراحاتكم بالتعليق ودمتم في أمان الله.